Mais il est fou lui. Vite. J'ai décroché. T'es plus la piraterie, c'est la piraillerie. Wow. Aïe. Ça partonne pas là-dessous, hein. T'as pas de béni à coup. Yo, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pêche en direct de la Guyane. On est toujours sur le Tampok, c'est la fin du séjour. Et pendant 12 jours, les niveaux d'eau étaient encore très hauts du fait de la saison des pluies qui s'est encore une fois éternisée. On a beaucoup pêché avec une technique traditionnelle, c'est la pêche à l'appât dans les fosses. Ici, ils le font à la ligne à main carrément, nous on l'a fait à la canne. Et ça consiste à envoyer des morceaux de poisson plus ou moins frais dans les zones où il y a beaucoup de fond en bordure du fleuve avec une petite veine d'eau qui passe à côté idéalement. Donc c'est moins sexy que la pêche au leurre, mais il faut dire que c'est une technique qui nous a rapporté la plus grande diversité d'espèces de poissons, dont des jolis poissons, et vous allez voir que c'est la guerre là-dedans. Allez, viens. Une pas. Allez. Oh. Voilà. Non, c'est bon. T'es sûr? T'as la chance qu'il n'y avait pas de rocher. Eh, tu nous as... Comment ça s'appelle, ça? Du toboggan. Client sérieux. Attends. Client sérieux, là. Ah, eh, tu me décroches pas, ça. J'en ai une aussi, un doublet. Ah ouais, faut pas qu'elle aille au fond, hein. Ah ouais, mais je l'ai décollé justement, elle a foncé vers nous là. Allez. Doublet les gars, doublet. Allez Vincent, on y croit là. C'est ton, fiche là, c'est ton fiche. Ça a l'air sérieux, hein. C'est une raie. Ouais. C'est une raie. Ouais, moi c'est lui là. Toi t'as une raie. Ah ouais, elle est une raie. Putain. Putain. C'est quoi ce bordel? Attention. Oh, j'ai une raie. Double raie. Double raie. Elle est plus quoi. Non mais la raie c'est ça, t'arrives pas à la décoller. Et ça par contre à prendre en photo ça doit être une misère. Ah bah non, c'est quoi ce bordel, encore un nouveau poisson? Je pensais qu'on avait tout vu mais non. Non. Grosse raie. Ah c'est décroché. Ah, c'est chelou les yeux et tout. Ouais. Shark. Et le dard il est en dessous, c'est la petite non, épine. Regarde là. La pine qui ressort là, au bout de la queue là. Ouais, là-bas là. Non. Là. Au bout de sa queue là, tu vois un truc qui ressort là. Ah ouais, ouais. Oh, elle souffle. Pas content. Ouais, je la refous à l'eau comme ça. Hein. Oui. Voilà. Bien joué mon gars. Le seul poisson qui porte malheur. Ça porte malheur chez les Amérindiens. Sérieux, Féro, tu crois que j'avais besoin de plus de malheur encore Doublé en plus de raie. C'est la punition.
porte malheur ça? Oui. On dit qu'il y aura plus de poisson après. Ah, ah ouais. Fredo on the river. Ah ouais. River monster. River monster. Fredo, c'est dangereux de se baigner ici. Il y a des monstres qui peuvent te manger tout cru. Ouais, il y a des rats qui peuvent te tester. Fredo Wade. Fredo River Wade. Monster. Il remonte tout doucement la ligne. Et là, grosse trappe. C'est toi qui l'as pêché tout seul. Au bout de toute l'année, au bout de toute l'année, pourquoi? La première photo de. Bien joué. Future star. Trop fort. Fais attention aux épines. Là, je vais enlever déjà. Ouais. Men Mansou. Ouais, magnifique. Bravo. Il est beau, hein? Ouais. Nickel. Et puis, j'ai des regards avec tel. Il est un petit peu jaune-vert là. Montagne. Macaïkone, on envoie des satellites. Allez, Macaïkone, hein. La pêche aux satellites. La pêche aux satellites. Je l'attacherai un vif dessus. Je vais pêcher le silure en rentrant en métropole, on appelle ça les bracos. Ouais. On va me prendre pour un gros gitan. Ouais. Hey, il est dessus, hein. Il y a un bout. Il y a un bout. La pêche à la bouteille. La pêche à la bouteille. Le truc, il a vu la pirogue, il a flippé. Ah ouais. C'est un maloco. Voici le... Je sais pas si on dit maloco ou moloco. Maloco. Voici le maloco. Et si je dis mal, c'est moloco. Poisson de Guyane, même régime alimentaire à peu près que le chevenne chez nous. Ça mord à peu près les mêmes leurres et les mêmes appâts. Frugivore, mais il peut bouffer des petits poissons. Ouais, des petites cuillères. Et puis, ça fait les mêmes touches que le chevenne, mais des chandelles de black bass. Oh, bébé. Et bébé. Avec des petites dents. Et c'est un appât très apprécié des pêcheurs locaux pour pêcher les plus gros poissons. D'ailleurs, lui, il le veut. Tiens. Tu veux, les cannes? Bonjour. Maloco. On est parti. Tu mets dans l'épisode? Ouais, l'épisode. Oh, t'en donnes. Ah, c'est peut-être pas un piraille ce que j'ai. Allez, 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 Fredo, t'assures ça. Hein. Putain. Putain. Ouais, il est beau, hein. Tu vois, je le prends en photo. Il y a ceux qui font de la torche et il y a les autres. Hein. Bah non, Manu. Oh, j'en ai marre. Le spécialiste des pirailles. J'en ai marre. Un pro de la piraille. C'est la piraillerie. C'est plus la piraterie, c'est la piraillerie. T'es fort, Fredo, t'es fort. Oh putain.
Ah, il est beau celui-là. Hein. Ah, il est beau celui-là. Il fait des bruits bizarres. Tu peux voir les chicots. Ah, les chicots. Bah, il fait combien celui-là? Ah, ça va? Va faire ses 2 kilos. 2 kilos, ouais. 2,5 kg, un petit record. Ouais. Ah oui! Ah oui! Oh là là, il est en train de tout broyer le truc. Regarde la passe! Aïe! T'as mordu? Non, il mord la pince. Dans la couleur? Tu sais même pas ce que c'est? C'est Maloku. Maloku? Maloku. Ça va le piranha? Voilà. T'as vu cette technique? Bien joué. La piraillerie n'est jamais finie. Eh, écoute le bruit qu'il fait. La pirate. Oh putain! Moi, fais la partie! Mais il est fou lui! Qu'est-ce qu'il a fait? Tout il est parti. Il est là, il est là! Il est juste devant! Il est où? Il est derrière! Ouais, il était devant toi! Ok, il a pourri le poste. Bah oui! Il a pourri le truc! Marcel, c'est vraiment un saboteur! Hein. Belle torche, hein? Belle nageoire dorsale! Ouais. C'est plus joli quand t'en es entière! Hein. Ah, moi je dis que c'est une torche à point! Non, c'est une raie. Non, ça lui a fait un départ. C'est une raie, c'est sûr. Arrêtez un petit peu. C'est une raie, putain, je suis dégoûté. Tu sais que ça porte malheur, Marcel. Hein. Okay, il est là. Voilà. Oh, torche, les gars. Torche tigre. Mais pourquoi tu le ramènes pas plus vite? Parce que regarde, c'est le temps que les piranhas lui défoncent la queue. Ouais. Aïe, les piranhas sont intransigeants, intraitables. On va regarder sur le ventre, voir si elle n'est pas encore becquetée aussi. Torche tigre dans la fosse. Vas-y, le ventre. Le ventre ça va. Non, ça va. Le ventre ça va. On s'est fait bouffer. Ah ouais. Petit ventre bien blanc. Tranquille, calme. Ah. Oh, j'ai un poisson, Fredo, tiens. Vite. J'ai décroché de ta faute, Fredo. Mais je suis à toi, je suis avec un appât dans putain, la main. Putain, Fredo. Je suis avec un appât dans la main et la canne dans l'autre, toi, tu veux. Tu avais quoi comme appât, un yaya? Non. Un bout de piranha. Bout de piraille. Un filet. Avec mon montage hyper perfectionné. Avec ses gros yeux, là. Magnifique poisson. Bon, après une bonne pêche, ça mérite un bon débrief. Hein? Et ouais, derrière le guide. Dédicace à Pascal. Ouais, chacun sa binouze. C'est proposé le débrief d'accord, d'ailleurs. Toujours important de débriefer les bonnes pêches. 9e jour sur le Tampok. Ça laisse des traces. Surtout au pied. Ça, c'est l'enfer. L'enfer vert. Pied en forêt, c'est ce qu'il y a de pire. Je m'étais déjà fait avoir par des mycoses l'année dernière. J'essaye au maximum de sécher mes pieds dès que c'est possible, les garder au sec. Mais le fait de passer beaucoup de temps dans l'eau, et le frottement avec le sable, plus les petites blessures quand on passe les sauts sur les cailloux, etc. Une fois qu'on a les pieds à vif, c'est super dur après de marcher en forêt. Ça cicatrise jamais ici en forêt, tellement c'est humide et tellement on est tout le temps dans l'eau parce qu'on pêche aussi. Piranha, c'est nul. On a fait un à la ligne à 20, hein. À la ligne à 20. Bien joué, Fredo.
nouvelle espèce, pacu. Pacu. Quoi la différence avec le piranha? C'est les dents. T'as le même régime alimentaire? Non, c'est omnivore, ça mange beaucoup. Ça mange des fruits, ça? Des fruits. Ouais. Un piranha encore plus roux. Vraiment, je suis une nièce. C'est marrou? Non, c'est un. Ça fait un mec. Je viens de faire une candelle là. Ça dit. Oh, c'est un mec. Oh, oh, c'est énorme celui-là. Vas-y, mon gars. Oh, ouais. Tu le mérites. Ah, ouais, il est énorme ce coup par rivière. Petite touche de rien du tout, j'hésite à ferrer. Bien joué, mon gars. Waouh, record du monde. Oh, je t'en fais quoi? Ouais, elle a pris cher sur la caudelle. Là. Des petits piranhas. Mmh. Ils l'ont mangé. C'est quand tu la remontes, ça. Ouais, je pense aussi. C'était défoncé quand même. Regarde le bide. Voir en dessous. Waouh. Ça partonne pas là-dessous, hein, Fredo. Tu peux pas te baigner un coup? Ouais, c'est une rêve. Putain, salope. Ça, c'est vraiment les petits diables du fleuve. Filme pas trop près. Je te vois bien. C'est une belle brème. C'est vraiment l'enfer, ces poissons. Moi, ça sera coupé au montage, les gars. Tu fais quoi? Si ça me coupe là, ça sera coupé. Bah, si tu veux, on laisse. On laisse, hein? Tu passes un hameçon? Fredo, t'as des hameçons? Des petits? Des petits, hein. Des petits, oui. Ouais. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Des gros. Ça, je pêche des petits seulement. Putain de bordel de petits rails. Nul! J'étais en train de remonter. Nul!